début de l'automne et on vous emmène avec nous pour quelques jours de city trip dans une capitale européenne pleine de surprises. On la connaissait pas du tout. Pour nous, Vienne, c'était les grands châteaux, les musées et des églises. Alors c'est vrai, Vienne c'est un petit peu de tout ça, mais c'est surtout une ville hyper vivante et très cosmopolite qui a été élue quand même deux fois la ville la plus agréable du monde. Et ça c'est pas rien et on vous emmène tout de suite découvrir pourquoi. La première raison qui fait que Vienne est une ville incroyable, c'est la diversité de son architecture. On y croise à la fois des bâtiments hérités de l'époque des Habsbourg et des bâtiments ultramodernes. La deuxième raison pour laquelle on kiffe cette ville, c'est que franchement la vie est plutôt douce ici. Il y a un mode de vie assez cool avec des balades à vélo, avec des rooftops, des cafés, des petits marchés, et c'est ça qu'on a vraiment kiffé. L'autre super moyen de découvrir la ville, c'est de se balader à travers ces bulles de verdure. Des berges du Danube jusqu'au parc de Schönbrunn, les occasions de prendre l'air ne manquent pas. On ne pouvait pas terminer cette vidéo sans vous parler du Joe & Joe dans lequel on a passé une semaine. C'est vraiment un endroit absolument incroyable qui nous a permis de travailler et de profiter de la ville. Et la meilleure personne pour vous en parler, c'est Lia, ici présente. Et on vous dit ça tout de suite. Hey guys, I'm Lia. I'm the Events and Communications Manager of the Joe & Joe Vienna. Vienna is something unique to me because in Vienna you can get everything. The Joe & Joe is a great place to have fun, you know. There are weekly events with DJ sets and live acts and also social game nights and stuff, so it's pretty cool to hang out as well. People can stay and come and have fun with us and there's no stress about it. The team is also really, you know, into it and we're just a big, huge family that enjoys life and that works together, I guess. It's a total eco-friendly building that we share with IKEA. We have a really cool rooftop that we have a really great view in the city. So we also have dorms in our hostel, of course, with 12 beds maximum, and double bedrooms and rooms with 3 beds. So it would be cool to join us in Vienna and to, you know,
come along and just stay with us.